balobi mama mardi ne mama mardi ne balobi shop Africa Union mais quand t'es qu'un nyonso biloko ya ya wali ni yoko mwore oni dinde ko la yo a sali sa yote bona korea na yo moko ma bonde la yo bona mtoto na yo moko ya elei moko ma bonde la yo balobi bio bio Africa Union et quand t'es qu'un tout à quoi n'a pas si moi si non voye pas ya dino voye ya ni Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue. Merci de suivre Face à Face, un nouveau numéro. Nous parlons politique, nous parlons monnaie, nous parlons taux d'échange, nous parlons vie des Congolais, mais la plus grande question, c'est un an. Le gouvernement Ilukamba va faire finalement un an depuis le mois d'août de l'année passée. Entre-temps, le chef de l'État, il est en train de passer plus de 20 mois au pouvoir. On va évaluer tout ça, savoir où nous allons, est-ce que l'avenir est bien avec ce gouvernement. Nous allons évaluer objectivement et pour ça, j'ai trouvé quelqu'un qui, à mon âme, la vie est outillée. Nous parlons avec le docteur Noël Tiani, qui va être professeur dans peu de temps d'ailleurs. On sera avec lui, on discutera sur des questions de la politique congolaise. Docteur Tiani, comment allez-vous? Je me porte très très bien, sauf bien sûr la RDC qui patauge. Ouais, la RDC patauge. On a appris que Kagame serait mort. En fait, c'est les informations que nous recevons par-ci, par-là, sur la toile. C'est alors de la bouche d'un candidat aux élections présidentielles, opposant, exilé, qui l'a dit, finalement, qui a eu à dire cette vérité dans une chaîne internationale. Alors, du coup, sur la toile, il y a beaucoup de gens qui réagissent. Ben, est-ce que ça peut réjouir les Congolais, la disparition de Kagame? Vous savez, notre pays a connu beaucoup de problèmes depuis 1996 avec l'implication du Rwanda voisin dans nos affaires intérieures. Et le Rwanda voisin étant dirigé bien sûr par Paul Kagame. Donc chaque fois qu'on parle de lui, que ce soit vrai ou faux, il y a des réactions en République démocratique du Congo. Moi je pense que beaucoup de Congolais peut-être expriment le ras-le-bol de genre de relation qu'il y a eu entre le Rwanda et la RDC. Et ce ras-le-bol se traduit parfois par des réjouissances populaires. Quand on annonce que le chef d'État de ce pays-là est décédé, j'ai vu qu'il y a eu un moment même à Goma, des gens qui étaient dans les rues en train de célébrer, de klaxonner, ainsi de suite. Mais jusqu'à présent, je pense que ce sont des rumeurs. Des rumeurs. En attendant que l'information soit confirmée par le gouvernement rwandais. Alors, il y a un autre élément, c'est toujours un constat. Nous allons remarquer que, on a remarqué depuis ce matin, ou depuis hier, je crois, les cambistes, d'abord, on ne sait toujours pas expliquer pourquoi on a des cambistes au Congo, on ne sait toujours pas expliquer pourquoi on change le dollar aussi facilement. J'étais à Brazzaville, ce n'est pas le cas, j'étais dans certains pays, on ne change pas le dollar aussi facilement comme chez nous ici. J'espère que tout le monde peut vous changer le dollar, mais bizarrement, on n'affiche plus le taux. C'est genre, on écrit, bon, on indique la flèche, entrée au bureau, on dit « Ah, tout va bien, ah, tout va bien ». Je ne comprends pas. Et la population ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe exactement? D'abord, il faudrait que les Congolais se rappellent que nous avons connu des périodes de changement de monnaie. Avant l'arrivée de l'AFDL au pouvoir, en 1997, on avait le Zaïre monnaie, sous la période donc, de Mobutu. Mmh. Et le Zaïre monnaie était complètement devenu une monnaie discréditée, étant donné qu'avec des taux d'inflation extrêmement élevés, la monnaie avait perdu de crédibilité au sein de la population et les gens avaient embrassé le dollar américain. Kabila Mouzé arrive au pouvoir le 17 mai 1997
je fais partie de personnes qu'il avait appelées personnellement. Il m'avait appelé de Washington en me disant, viens immédiatement au Congo, ton pays a besoin de toi. Quand je suis arrivé, il m'a dit, regardez, il m'a montré les billets de Zaïre Moné avec les photos de Mobutu là-dessus. Il a dit, ce monsieur-là n'est plus président de la République, je veux qu'on change ça. C'était ça qui avait motivé la réforme monétaire. Donc, il a demandé qu'on organise la réforme monétaire. On a fait la nouvelle monnaie, le franc congolais, qu'on a mise en circulation le 13 juin 1997, 98, au taux de 1 dollar égal à 1,3 francs congolais. L'idée était de mettre fin aux différentes zones monétaires, de mettre fin à la dollarisation et de donner au peuple congolais une monnaie qui serait stable, qui assure la stabilité du pouvoir d'achat de la population. Malheureusement, la mauvaise gestion d'une part du pays, de l'économie, et aussi de la banque centrale, cette mauvaise gestion combinée a fait que notre monnaie a perdu toute crédibilité aujourd'hui et est redevenue aussi mauvaise que le Zaïre monnaie que le franc congolais avait remplacé. Aujourd'hui, le franc congolais a perdu les trois prérogatives reconnues à une monnaie nationale, c'est-à-dire réserve des valeurs, instrument d'échange, facilitation donc des pouvoirs d'achat, enfin stabilité donc des pouvoirs d'achat de la population. Donc, toutes ces prérogatives étant perdues, le peuple congolais s'est réfugié derrière des monnaies qui pouvaient lui assurer la stabilité du pouvoir d'achat. Ces monnaies-là, c'est le dollar américain et l'euro. Et même les monnaies des pays voisins de la RDC circulent librement en République démocratique du Congo, en contravention à l'article 170 de la Constitution, qui dit que le franc congolais est la seule monnaie utilisable sur l'étendue du territoire national. Donc, la dollarisation s'est imposée dans notre pays par la force des choses. Ce n'est pas qu'elle a été déclarée officiellement, mais le peuple a imposé, a accepté le dollar américain comme étant la monnaie utilisable dans les transactions en RDC parce que le franc congolais a perdu les prérogatives et la stabilité de pouvoir d'achat qu'il pouvait procurer donc à la population. Maintenant, la Banque centrale essaye par tous les moyens de pouvoir stabiliser les taux d'échange, étant donné que les variations des taux d'échange et surtout la dépréciation monétaire entraînent une augmentation des prix des biens importés. Et quand il y a augmentation des prix des biens importés, les salaires restant les mêmes, il y a perte de pouvoir d'achat de la population. Maintenant, est-ce que la décision prise par la Banque centrale de ne plus afficher les taux devant les cambistes des rues, dans les rues, est-ce que cette mesure-là est durable? Est-ce qu'elle donne des résultats? Moi, je dirais non, c'est une mesure cosmétique. Vous savez pourquoi? Parce que quand on cherche à changer les dollars pour avoir les francs ou l'inverse, on va chez les cambistes, on sait où ils se trouvent. On demande les taux et vous échangez de l'argent à ce taux-là que le cambiste donc vous donne. Maintenant, si on dit au cambiste qu'il ne faut plus afficher le taux sur la rue, mais le cambiste met un tableau où il dit, change ici, on change le dollar contre le franc ou le franc contre le dollar. Mais le change se fait donc à l'intérieur. Toute personne qui cherche à changer de l'argent, il vient devant ce cambiste, là, il demande le taux. On lui dit le taux et il change. Et il n'a pas d'autre choix que d'échanger à ce taux-là parce que d'abord, il y a manque de transparence. Oui. Parce que maintenant, on ne peut plus savoir quels sont les taux qui sont affichés par les autres cambistes. On est victime devant le cambiste qui vous donne le taux et vous devez accepter cela. Ben ouais, donc, moi, je dirais, c'est pire même qu'avant. C'est pire même qu'avant. Moi, je dirais que la Banque centrale pourrait mieux faire de pouvoir professionnaliser les cambistes. Quand vous êtes en Europe, les cambistes de rue à Kinshasa, on les appelle en Europe des bureaux d'échange. Ce sont des professionnels, des gens formés qui ont des ordinateurs connectés à la banque centrale ou à des banques commerciales qui leur donnent des taux et tout le monde, ce sont des taux qui sont transparents. Vous n'avez même pas besoin donc de discuter pour connaître donc le taux. Alors, moi je voudrais que nous puissions professionnaliser aussi ce secteur-là en commençant par la professionnalisation de la banque centrale qui gère ses relations avec les cambistes pour que nous puissions stabiliser les taux d'échange et le pouvoir d'achat de la population. Je voudrais, avant que vous puissiez nous donner votre point de vue et surtout votre remède pour la Banque centrale, je voudrais qu'on revienne un peu à l'époque de Mobutu, disons à l'époque de Kabila Le Père. Dites-nous, docteur, lorsque vous arrivez au pouvoir, par exemple, quand on arrive au pouvoir, vous trouvez une monnaie déstabilisée, défaillante, qui tombe et tout ce que vous voulez, qu'est-ce que l'on fait exactement? La réforme monétaire est basée sur quoi? Parce que là, tout de suite, vous dites, bon, on a fait une réforme monétaire. C'est vrai, bon, dites-nous un peu comment on réforme la chose. Oui, moi, je dirais que la réforme monétaire doit être un volet parmi beaucoup de choses dans un programme global pour remettre le pays sur la bonne voie.
ce programme global doit impliquer dans le temps actuel la mise en place d'un environnement de paix et de sécurité sur l'ensemble du territoire national. Parce que sans paix et sans sécurité, vous ne pouvez pas avoir une économie florissante qui peut donner lieu à une monnaie stable. Donc il faut réformer l'armée, la police, les services de sécurité. Donc tout ça, ça doit faire partie d'un pro... C'est lié tout ça. Donc on stabilise donc le pays pour qu'on devienne un bon cadre pour attirer des investissements, pour que les gens puissent créer des entreprises, créer des emplois, pour que les gens travaillent. Parce que à la fin de la journée, il faut que les gens aient un pouvoir d'achat, qu'ils aient des salaires pour acheter quoi que ce soit. Deux, il faut maintenant réformer l'économie. L'économie a plusieurs facettes dans notre pays. Il faut réformer, par exemple, le secteur d'autosuffisance alimentaire, développer l'agriculture, l'élevage, la pêche, transformer les produits agricoles d'élevage et de pêche en bien dans des boîtes de conserve, dans des sachets qu'on peut vendre sur l'ensemble du territoire national librement et exporter même pour gagner des devises. Trois, il faut diversifier l'économie, bien sûr, en développant le tourisme, mais également le secteur manufacturier ou le secteur minier. Les matières premières que nous avons aujourd'hui, qu'on exporte à l'état brut, il faut qu'on envisage de les transformer localement en produits finis, produits semi-finis à l'intérieur du Congo. J'ai suivi ce matin une présentation faite par un compatriote, je ne connais pas exactement comment il s'appelle, mais il a démontré qu'en 1960, on avait environ 6500 entreprises industrielles. Aujourd'hui, nous avons moins de 95 entreprises industrielles. Il y a eu une chute vertigineuse du secteur manufacturier, du secteur industriel dans notre pays. Avec ça, on a une économie qui ne fonctionne pas comme il faut, qui ne crée pas de la richesse. Donc, il faut relancer tout ça. Maintenant, il faut qu'on regarde le fonctionnement du secteur financier, le secteur bancaire. Avons-nous un secteur bancaire pour accompagner les hommes d'affaires ou bien les entreprises privées qui veulent se développer? Moi, je dirais non. Donc, on ne peut pas parler monnaie sans économie. Disons, on ne peut pas parler monnaie sans faire tout ça. Donc, il faut lier toutes ces choses-là. Maintenant, quand on met l'économie en marche et que ça produit et qu'on peut exporter, on peut faire la réforme monétaire pour mettre fin à la dollarisation, étant donné que les gens auront confiance dans leur propre pays, dans leur propre économie, et en ce moment-là, en se débarrassant de ces vieux billets de francs congolais qui ne servent à rien, qu'il faut en quantité comme ça pour avoir un seul dollar. On peut faire une réforme monétaire pour avoir, par exemple, un nouveau franc congolais qui serait égal à 1 dollar ou bien 1,2 dollars. Et en ce moment-là, on va mener d'une part la politique monétaire qui est conduite par la Banque centrale, qui soit crédible, qui ne finance pas les déficits publics n'importe comment en faisant la planche à billets. Et de l'autre part, on aura une politique budgétaire qui est menée par le gouvernement, mais où il y a des règles d'orthodoxie financière, c'est-à-dire on respecte le budget. Quand on dit qu'on a un budget de 10 milliards, on vit dans les limites de 10 milliards. On ne va pas commencer à faire des déficits qui vont faire pression sur la Banque centrale pour faire recours à la planche à billets. Et de l'autre côté, le gouvernement va mener la politique économique pour attirer des investissements. Donc, si on fait cette combinaison de choses, politique économique, politique budgétaire, politique monétaire et politique d'échange crédible, en ce moment-là, on peut espérer réaliser une monnaie nationale crédible. J'ai participé à une conférence des économistes la fois passée. Dans cette conférence, il y avait le professeur Émile Ngoï, il y avait le professeur Mabi, il y avait beaucoup de gens, il y avait le conseiller du président en matière économique. Eh bien, c'est vrai que moi je suis juriste, mais je comprenais pas beaucoup ce qu'il disait, mais on sentait qu'il y a, par exemple, le conseiller disait qu'il fallait, on pouvait vendre de l'or, quelque chose comme ça, je ne pouvais pas comprendre exactement ce qu'il voulait dire. Mais fondamentalement, la question c'est de savoir pourquoi en Chine, bien qu'ils ont... ils ont leur monnaie, mais ils ont en plus des petites pièces, en fait, 1 centime, 2 centimes. À Dubaï, c'est la même chose. Pourquoi nous, au Congo, le premier billet de banque, c'est directement 100 francs qui est derrière, qui n'a pas de valeur, et tout de suite, c'est 500, 1000, 2000, puis 20 000. À la fin, on se pose la question, pourquoi nous n'avons pas des centimes? Il y a une raison pour ça. Oui. Lorsque on a... Une monnaie doit être subdivisée en des petites coupures ou des pièces de façon à faciliter les transactions. Mais lorsque la monnaie nationale a perdu les prérogatives d'une monnaie qui conserve de la valeur à cause des taux d'inflation élevés, quand vous avez des pièces de monnaie, très vite vous allez réaliser qu'à cause de l'inflation, ces petites coupures-là n'ont plus de valeur pour faire, même pour acheter donc une petite quantité donc d'eau. Les gens ont tendance donc à jeter, dump comme on dit donc en anglais, à jeter donc ces petites coupures-là dans la poubelle pour rester avec les grandes coupures qui ont encore de la valeur. Pas qui conservent de la valeur, mais qui ont encore de la valeur. Par exemple, aujourd'hui,
quand nous avons un billet de 10 000 francs congolais, mais convertissons maintenant en dollars, 10 000 francs congolais, c'est l'équivalent de 50 cents. Non, parce que 1 dollar, c'est pratiquement 5 dollars. 5 dollars, voilà. C'est rien absolument. 6 à la limite. Voilà, donc ce que nous devons faire, et n'oubliez pas qu'au départ, un billet de francs congolais était l'équivalent d'à peu près de 1 dollar. C'est-à-dire que quand on a 10 000 francs congolais, c'était l'équivalent donc de 10 000 dollars à peu près. Est-ce que c'était pas fantaisiste? Ce n'était pas fantaisiste. Parce qu'il n'y a rien à changer à la fin. Il n'y avait toujours pas d'usine à l'époque de Kabila le père. Il n'y avait toujours pas une bonne production. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la fin? C'est pour cela que je dis que la réforme monétaire ne doit pas être un élément isolé. Il faut l'inscrire dans le cadre d'un programme global de transformation économique et sociale du pays. D'accord. Assurer la stabilité, développer l'économie, augmenter la production et faire la réforme monétaire. On aura une monnaie qui est assise sur une économie qui fonctionne. Mmh. Mais si on fait la réforme monétaire de façon isolée, tandis que les fondamentaux de l'économie n'ont pas changé, on n'a toujours pas d'industrie, on n'attire toujours pas des capitaux étrangers, on a toujours l'insécurité partout, la monnaie que vous allez introduire, elle est vouée à l'échec parce que les fondamentaux n'ont pas changé. Peu importe la qualité de la réforme, elle a tombé parce qu'il n'y a pas de soubassement. Il n'y a pas de soubassement. Et c'est pour ça que moi j'ai proposé, je ne fais que répéter ça, j'ai proposé le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Il dit quoi le plan Marshall? C'est une vision complète, c'est-à-dire que qui envisage de faire des réformes dans tous les secteurs de la vie économique et sociale. Ça va même au-delà de l'économie et du social. Pourquoi? Parce que le premier volet, le premier programme du plan Marshall, c'est rétablir la paix, la sécurité, l'état de droit dans le pays. Avoir une administration publique qui fonctionne. Deuxième élément, investir dans les capitaux, dans le capital humain. Vous ne pouvez pas développer un pays, avoir une monnaie stable avec une population qui n'est pas instruite, qui ne comprend pas ce qu'il faut faire. Je vous donne l'exemple. Quand vous allez en Europe, vous avez de l'dollar américain. Vous voulez acheter quelque chose dans un magasin en France. Vous savez quoi? On va vous regarder comme si vous êtes un extraterrestre. On va vous dire le dollar, ce n'est pas notre monnaie. Allez changer la monnaie dans un bureau d'échange. Amenons-nous des euros, les euros, donc la monnaie euro, pour que on puisse. C'est ça la monnaie que nous reconnaissons. Quand vous allez aux États-Unis avec l'euro qui vient de l'Europe, c'est la même chose. Les Américains ne connaissent même pas, n'ont jamais vu l'euro. Ils ne veulent pas entendre parler. Ils vont demander que vous changez dans les bureaux d'échange, que vous ayez des dollars pour acheter des choses dans les magasins. Mais vous arrivez en République démocratique du Congo, même avec une monnaie que des gens ne connaissent pas, tout le monde est content de pouvoir accepter. On appelle ça devise étrangère. Que ce soit le dollar, l'euro ou n'importe une monnaie de la Malaisie. Mais on accepte tout en République démocratique du Congo. Et vous savez pourquoi? Parce que la population n'a pas été éduquée, n'a pas été dressée contre les monnaies étrangères. Il faut monter la population congolaise contre les monnaies étrangères pour qu'on puisse reconnaître que le franc congolais. Et vous savez pourquoi? Parce que l'usage des devises étrangères dans notre pays coûte cher à notre pays. Comment ça? Et je vais m'expliquer. Lorsqu'on utilise le dollar américain en RDC, un billet de dollar américain pour le fabriquer, il faut un papier, il faut de l'encre, il faut mettre dans une machine. On produit ça et le coût de production du billet de 1 dollar est de 10 cents environ. Mais le billet qu'on a produit de 1 dollar, la valeur faciale est de 100 cents. La différence entre 100 cents et 10 cents, le coût de fabrication, 90 cents, ça s'appelle le bénéfice que s'est fait le fabricant du dollar. En termes techniques, on appelle ça revenu de seigneuriage. Et ces revenus de seigneuriage reviennent au fabricant du dollar. Et le fabricant du dollar en RDC, c'est qui? C'est le trésor américain. Prenez tous les billets des dollars qui circulent en RDC. Je donne juste pour simplifier les choses. Si nous avons 10 milliards de billets de 1 franc, de 1 dollar qui circulent en RDC, prenez 10 milliards multipliés par 95, donc 90%, nous avons 9 milliards de bénéfices qui sont transférés aux États-Unis. La RDC n'a rien. C'est-à-dire, c'est pour ça que la Banque centrale du Congo perd de l'argent chaque jour. Le trésor américain est très riche. Pourquoi? Parce que il suffit de prendre un billet, de le mettre dans une machine, on le produit, on l'appelle dollar, ils peuvent se faire de bénéfices sur ce billet-là, 90 cents. Mm. Tandis qu'en RDC, nous utilisons leur monnaie, c'est-à-dire, nous transférons aux États-Unis le bénéfice que notre Banque centrale devait se faire. C'est pour ça que je dis gâchis, hein. C'est un gâchis, mais c'est une idiotie énorme. C'est pour ça que je voudrais dire donc à nos compatriotes, il est temps de mettre fin à la dollarisation. Mais comment on met fin à la dollarisation? Mais justement, c'est pour ça que je dis qu'il faut une vision globale de développement du pays.
avec différents programmes pour remettre le Congo dans un état de fonctionnalité. Aujourd'hui, le pays ne fonctionne pas. Quel est le rôle de la banque dans ce processus alors? Le rôle de la banque centrale. Oui, dans ce banque centrale est là des missions qui le sont reconnues par la Constitution de la République. Et cela est contenu dans l'article 176 de la Constitution, qui dit que la banque centrale a pour mission 1, la conception et la mise en œuvre de la politique monétaire qui aboutit à la stabilité des prix. Notre banque a échoué sur cette mission-là parce que nous n'avons pas de stabilité des prix à cause des taux d'inflation élevés parce que la banque centrale finance des déficits budgétaires qui sont causés par le gouvernement. Deux, la banque a pour mission de superviser le secteur financier, le secteur bancaire. Notre secteur bancaire est tout sauf un secteur bancaire au service du développement du pays. Nous avons environ 16 banques commerciales, toutes des banques étrangères, qui échappent totalement au contrôle de la banque centrale. Vous avez vu l'exemple de la Robank. La banque centrale transfère 57 millions de dollars à Ecobank, qui n'arrivent même pas à Ecobank, qui sont interceptés par la Robank. Monsieur Jamal prend ça, fait arriver 10 millions de dollars au Liban. Personne ne sait comment l'arrivée est arrivée. Mais comment ça s'explique, docteur? Mais parce que nous avons ici, nous avons des banques libanaises qui font la mafia avec ça. Et nous avons des banques nigériennes qui font la mafia avec leurs compatriotes. Nous avons des banques d'autres pays. Donc, chaque banque est là. Les banques nigériennes et libanaises font de la mafia. Non, j'ai dit bien, j'ai mentionné ces deux pays-là. Oui. J'aurais dû ne pas les mentionner. Mais je dirais simplement que chaque banque étrangère est au service du secteur privé de son pays. De son pays. Pas donc des Congolais. Pourquoi nous n'avons pas de banques? Donc, ces banques sont venues pour accompagner donc les affaires donc, qui viennent de leur pays dans notre pays. Vous avez fait le tour pratiquement du monde. Vous connaissez beaucoup plus l'Afrique dans sa gestion. Est-ce que vous avez un cas comme ça dans un pays, dans un autre pays dans le monde? Bon, il y a quelques pays, les nationaux n'ont pas de banque chez eux-mêmes. Il y a quelques cas, je voudrais mentionner ici pourquoi nous avons manqué de vision. Et c'est le manque de vision et d'expertise qui nous amène à cette situation catastrophique. Par exemple, vous aviez connu une banque qu'on a appelée la Belgolaise. La Belgolaise avait des succursales dans tous les pays d'Afrique. Elle est tombée en faillite il y a une vingtaine d'années. Quand la Belgolaise est tombée en faillite, différents pays ont pris des positions différentes à l'égard des succursales de la Belgolaise dans ce pays-là. Le Rwanda voisin a pris d'assaut la succursale de la Belgolaise au Rwanda. A dit, elle devient la propriété de l'État, on va la restructurer et quand on va la remettre sur le marché pour la vendre, on va la vendre au Rwandais. Cette banque-là est devenue aujourd'hui ce qu'on appelle la banque de Kigali. Un instrument puissant de financement de l'économie parce qu'elle est contrôlée d'une part par l'État rwandais, de l'autre part, par des individus de Rwandais, et une portion du capital est vendue sur le marché, la bourse des valeurs de Kigali. Donc, c'est une banque dans les mains des Rwandais au service de l'économie rwandaise. On peut faire la même chose ici? Et j'arrive. Pendant la même période, là, nous avions au Congo une banque qu'on appelle la BCDC, qui était aussi la filiale de la Belgolaise. Et vous savez quoi? Massangu, en tant que gouverneur de la Banque Centrale, ce qu'il a fait? Il a autorisé qu'on vende les actions de cette banque-là à un homme d'affaires belge, M. Forest. On a vendu toute la banque à un Belge. Maintenant, il a acheté la banque à moins de 20 millions de dollars. C'est vrai. À moins de 20 millions de dollars. Et il a gardé ça sans rien faire. Allez voir le siège donc, de la BCDC. Aucun investissement donc, dans cette banque-là pendant toutes ces années-là. Très peu d'investissements juste pour faire des affaires cosmétiques. Par contre, ils ont pris des propriétés immobilières qui appartenaient à la banque. La résidence BCDC a été prise par M. Forest. On a investi près de 20 millions pour rénover cette résidence-là. Et c'est un bien qui est sorti du portefeuille de la banque. Mais maintenant, la banque elle-même, on vient de la vendre aujourd'hui, devinez à qui? Equity Bank du Kenya, qui est listée à la bourse de Kigali, à la bourse de l'Ouganda. C'est-à-dire, nous avons vendu la deuxième grande banque de la RDC au Rwandais, aux Ougandais et au Kenya. À quelle époque on l'a fait? Mais on vient de le faire il n'y a même pas un mois. Quelle est la vision que nous avons en tant que pays? Moi, je pense que nous sommes en train de nous tirer dans la patte. Est-ce que nous avons manqué au niveau du pays le leadership économique et le leadership politique qu'il faut pour arriver à recadrer ces choses-là? Nos banques, on devait prendre l'opportunité de cette vente ici de la BCDC. On devait prendre ça pour en faire une banque congolaise comme le Rwanda l'avait fait à l'époque. Nous devions exiger qu'il y ait des investisseurs congolais qui prennent d'assaut la banque. Et si on n'a pas d'investisseurs individuels, moi personnellement j'avais dit que je pouvais être parmi les actionnaires. À supposer que moi je ne sois pas acceptable, on pouvait vendre le capital de cette banque-là à des institutions telles que le FPI qui pouvaient investir, telles que la Caisse nationale de sécurité sociale qui pouvait investir et on pouvait trouver d'autres personnes. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché au fait? Manque de vision. Qui devrait avoir cette vision-là? La Banque centrale, mais également au niveau de la politique. Le gouvernement devait dire non. Et le président de la République?
Je ne connais pas, je n'ai pas parlé avec le président de la République là-dessus, mais le président de la République ne s'occupe pas donc de ces petits détails-là. Mais c'est la Banque centrale qui est l'autorité monétaire, qui donne, et aussi le ministère de l'économie qui devait donner l'approbation, économie et finances, qui devait donner l'approbation pour que cette transaction donc soit faite. Ils ne l'ont pas fait. Quelles sont les conséquences de cette action? Mais nous continuons à voir le secteur bancaire dans les mains des étrangers. Nous avons raté l'opportunité d'avoir une banque privée congolaise, contrôlée par les Congolais, contrôlée par des institutions congolaises. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur le nombre de banques qu'il y a en Amérique, des privées? Le nombre de banques, oui, je connais avec précision. 14 700 banques. Toutes sont des banques privées. Comment faites-vous pour avoir les nombres? Pour avoir le nombre. Comme ça. N'oubliez pas que j'ai fait MBA en banque et finance. Et j'ai étudié dans le Wall Street. Et j'ai travaillé dans le Wall Street. C'est okay. Ça les choses qu'on apprend donc à l'école des banques aux États-Unis. Et chaque année, il y a à peu près une centaine de banques qui tombent en faillite, mais une centaine de banques qui naissent aussi. Donc, approximativement, on a 14 700 banques sur le marché donc américain. Et combien sont pour les Américains? Ben, je peux dire que 99,9% sont des banques américaines. Quand il y a des banques étrangères, elles sont là, elles ont des activités bien sûr. Donc ce sont des succursales, mais la grande partie donc des banques sont des banques américaines. Mais pourquoi chez nous, on n'a pas la possibilité de donner aux Congolais la possibilité de créer des banques au Congo? Je reviens à la même chose et je dis que nous avons manqué de vision. Vous savez, à chaque chose, malheur est bon, il faut apprendre son expérience. Sous la période donc de Mobutu, il y avait quelques banques congolaises. Ah bon? Mais bien sûr, okay. Il y avait la Banque du Peuple qui était l'émanation de l'État, 100% État. Mm. Il y avait l'Union Zaïroise des Banques qui était un partenariat entre l'État congolais, mais également la banque, je pense, Bruxelles-Lambert en Belgique. Il y avait l'Union Zaïroise des Banques, l'UZB, qui est devenue la BCDC, qui était aussi un partenaire entre la Belgolaise et l'État congolais. Je crois que l'État congolais continue à avoir 25% du capital de cette banque-là. Il y avait ce qu'on appelait la Banque de Kinshasa, qui était détenue par M. Dokolo, un homme d'affaires congolais. Le père de syndicat Dokolo. Et moi, je voudrais saluer donc cet homme d'affaires-là. Malgré les conditions difficiles, parce que je ne sais pas s'il était spécialiste des banques ou consorts, mais il a dû créer une banque, il a dû bénéficier un moment du soutien de l'État, mais il y a eu peut-être dérapage dans le contrôle des crédits et consorts, donc qui ont amené à l'échec de l'institution. Mais j'aurais souhaité qu'on apprenne de cette expérience-là pour aider d'autres Congolais davantage à entrer dans le secteur. Donc c'est possible plutôt aujourd'hui. Mais c'est possible, bien sûr. Plutôt que de dire la banque de Dokolo a échoué, donc aucun Congolais n'est bon pour être actionnaire dans une banque. C'est une fausse approche. Moi, je pense qu'on doit suivre l'exemple de M. Dokolo, créer des banques congolaises, leur donner le soutien, qu'il y ait des partenariats très forts entre les privés et l'État congolais. Est-ce qu'il n'y aura pas une guerre entre nous, les nationaux, et les expatriés? S'il n'y aurait pas est-ce qu'il n'y aura pas une petite guerre là-bas? Parce que j'ai l'impression qu'ils sont tellement forts qu'ils vont se concentrer contre vous et ils vont tuer toutes les initiatives à l'œuf, dans l'œuf en fait. S'ils veulent faire la guerre dans notre pays, je pense que la meilleure place où ils devraient être, c'est être dans leur pays plutôt qu'être ici. Ça, c'est le pays des Congolais. Donc, ils doivent s'inscrire dans la vision qu'ont les Congos, donc, de leur pays. Et tout celui qui est une banque étrangère qui veut faire des affaires dans le pays doit se conformer, donc, à la loi. Et c'est pour cela que nous avons la Banque centrale qui a le rôle d'autorité monétaire, de superviser et de contrôler et de s'assurer que les banques étrangères qui sont ici font ce qui est conforme à la loi congolaise. Avant de parler de votre remède, dites-nous, est-ce que les banques commerciales au Congo fonctionnent convenablement, fonctionnent bien, respectent la législation, ça respecte le droit de travail pour les travailleurs, comment ça fonctionne en fait? Je dirais que grosso modo, je ne suis pas satisfait du fonctionnement du secteur bancaire congolais. D'accord. D'abord, pourquoi? Parce qu'elles prennent des dépôts des Congolais. Et ils utilisent ces dépôts-là pour financer des activités des étrangers. Allez dans la ville de Gombe, vous allez voir, toutes les propriétés immobilières appartiennent aux étrangers. Et ces gens-là, ils obtiennent des financements parfois du secteur bancaire. Mais aucun Congolais ne peut obtenir des financements auprès de ces banques-là. Et je vais vous dire que quand il y a, je donne toujours l'exemple d'une banque fictive qui n'existe pas en RDC pour ne pas affecter les banques qui existent. Quand il y a une banque indonésienne en RDC, pardon, qui prend des dépôts des clients congolais. Et il y a deux clients qui se posent maintenant, qui se présentent à la banque pour emprunter 10 millions de dollars, un Indonésien et un Congolais. Rassurez-vous que le crédit va aller à l'Indonésien. Oui. L'Indonésien va prendre ce crédit-là pour acheter une propriété immobilière ou bien acheter une entreprise et commencer à recruter des Congolais qui vont travailler comme des esclaves, comme des petits travailleurs.
nous avons raté l'opportunité d'avoir un Congolais qui contrôle un secteur important de notre économie à travers ce mécanisme-là. C'est pour ça que je ne suis pas satisfait de cela. Vous avez vu aussi le fonctionnement de la Rawbank. Et pendant la période de la transaction qui est devenue célèbre aujourd'hui, donc le procès des 100 jours, l'argent arrive à la Rawbank, on ne respecte aucune réglementation d'échange, aucune réglementation bancaire. L'argent devait arriver à Ecobank. Mais on a soutiré cet argent-là au niveau de la Rawbank et M. Jamal en a profité pour envoyer de l'argent donc au Liban, aux grandes dames des Congolais. Ces banques étrangères-là que nous avons ici, ce sont des banques mafieuses en grande partie. Il faut fermer. Je souhaiterais qu'on puisse purifier, non, pas fermer, purifier, trouver des mécanismes pour amener les Congolais dans les capitaux des banques. C'est possible? Le secteur bancaire. De les imposer ça? Je vous donne un exemple. Okay. Nous pouvons augmenter considérablement le capital minimum des banques. Aujourd'hui, on a un capital de 30 millions de dollars qui est exigé. 30 millions de dollars, c'est rien. Ce sont des petites boutiques là qui appartiennent à quelques individus qui ne font même pas des opérations bancaires. On peut augmenter le capital comme le Nigeria l'avait fait. Un minimum de 250 à 500 millions de dollars. Le Nigeria, c'était 250 millions de dollars. Mais avec une condition. Que, un, les banques existantes, si les actionnaires ne peuvent pas augmenter le capital, ils devraient fusionner entre eux. On va déjà diversifier le capital des banques pour sortir du cadre des banques familiales. Deux, réserver un pourcentage aux Congolais qu'on peut vendre soit à travers une bourse des valeurs à créer parce que ça n'existe pas aujourd'hui, soit à travers donc des placements privés. On peut identifier des gens ou des entreprises ou des institutions. Je vous ai dit tout à l'heure le FPI, par exemple, la Caisse nationale, il y a d'autres institutions de ce genre. Donc il y a toute une gymnastique qu'on peut faire pour arriver à amener les Congolais. Quand je dis Congolais, je veux dire des individus, des entreprises, des institutions ou pourquoi pas l'État. Si c'est nécessaire, donc il faudrait diversifier le capital donc des banques de cette façon-là. Alors, terminons ces dossiers des banques. Comment faire pour recréer une nouvelle banque congolaise, la banque nationale, la banque centrale? Comment on fait? On part d'où pour réformer profondément et convenablement cette banque? Nous devons, en tant que pays, reconnaître que la Banque centrale du Congo a échoué. Elle ne fonctionne pas bien, elle ne donne pas les résultats qui sont attendus. Les missions essentielles que j'ai énumérées là, vous allez voir que dans chaque mission, ils n'ont pas réussi à assurer la stabilité des prix. De 98 à ce jour, il y a eu dépréciation monétaire de plus de 175 000%. C'est-à-dire que si vous avez 175 000 francs dans un compte bancaire en 1998, aujourd'hui là, il ne vous reste plus qu'un seul franc. Sans rien. Dans d'autres pays, le montant augmente avec des taux d'intérêt. Dans notre pays, donc, il y a eu diminution à cause de l'inflation. La banque n'a pas réussi à assurer la stabilité du prix. Donc, la mission essentielle de la banque, de conduire la politique monétaire conduisant à la stabilité des prix, la banque a échoué. Deuxième élément, la gestion de fonds publics. Normalement, une banque intelligente aurait dû fructifier les réserves d'échange. Aujourd'hui, vous savez quoi? Les réserves d'échange sont pratiquement nulles. On nous dit qu'elles ont diminué de 1 milliard 200 millions à 832 millions de dollars. Mais entre-temps, on nous dit que l'État a accumulé un déficit de 889 000 millions de dollars. Le déficit est supérieur aux réserves d'échange, c'est-à-dire qu'on n'a pas de réserves d'échange du tout. Donc, comment fonctionne ça, les réserves d'échange? Bon, ils font des opérations courantes, ainsi de suite là, mais on peut fonctionner sans réserve d'échange pendant un certain temps. On arrivera à une situation de banqueroute totale, où on n'est plus à mesure de payer même les importations pour assurer donc le fonctionnement normal du pays, ou même on ne sera plus à mesure de payer les salaires. Heureusement que ce n'est pas le cas encore. Ben, on est pratiquement à la frontière de ça. On peut arriver à cette situation donc d'un moment à l'autre. Alors, vous dites qu'il faut réformer. Pourquoi? Parce que je vais vous dire une chose, il y a beaucoup de mois d'arriérés des salaires dans la fonction publique. Il y a beaucoup d'arriérés des salaires dans les entreprises publiques. Il y a accumulation de la dette intérieure. On est à peu près à 3,7, 3,8 milliards de dettes intérieures en arriéré aujourd'hui. On a pratiquement 4,5 milliards de dettes extérieures. Quand on met tout ça ensemble, les arriérés des salaires, la dette intérieure, la dette extérieure en arriéré, et on compare aux réserves d'échange que nous avons de 832 millions de dollars. C'est rien, absolument, nous sommes un pays littéralement en faillite. Alors, vous avez dit qu'il fallait réformer totalement. Alors, est-ce qu'il faut révoquer les directeurs de la banque? Est-ce qu'il faut révoquer le conseil d'administration? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut révoquer le ministre des Finances. Qu'est-ce qu'on fait exactement? Oui, je voudrais déjà dire que nous sommes dans un pays assez atypique. Le conseil d'administration de la Banque centrale est composé de 8 membres.
Tous les 8 membres, leurs mandats ont expiré depuis plus de 10 ans. Aucune autre entreprise dans le secteur privé ne pouvait exister si on a les membres du conseil d'administration hors mandat pendant autant d'années. C'est la première chose. Donc la banque fonctionne sans supervision, sans orientation du conseil d'administration. Aujourd'hui, si on veut restructurer donc la banque, il faut faire le constat qu'elle a échoué. Et d'ailleurs, je voudrais saluer l'initiative prise par M. Jules Alinguete, l'inspecteur général des finances, qui a diligenté, j'ai vu depuis le week-end, une mission d'audit de la Banque centrale du Congo dans tous les aspects financiers donc de la banque. Une mission qui va durer 30 jours. Je devine qu'à l'issue de cette mission, il y aura constat que la banque est totalement en faillite. Et en ce moment-là, il sera justifié pour restructurer la banque, de procéder au changement de la haute direction de la banque. C'est-à-dire le président de la République doit revoquer le gouverneur, le vice-gouverneur, nommer un nouveau gouverneur, deux nouveaux vice-gouverneurs, remplacer le conseil d'administration qui est hors mandat, nommer des nouveaux membres du conseil d'administration. Et je voudrais qu'on aille même plus loin. Il y a un organe technique qu'on appelle le comité de politique monétaire. Ce comité-là, dans d'autres pays, est composé des gens techniquement compétent, crédible. Dans notre pays, c'est composé du gouverneur et de ses directeurs à l'intérieur de la banque. C'est un club de copains. Il faudrait qu'on puisse restructurer le comité de la politique monétaire. Avec la nouvelle gestion de la banque. Oui, mais si j'étais content, c'est que j'ai trahirais le peuple congolais. Le peuple n'est pas content. Le pouvoir d'achat de la population dehors là est nul. D'accord. Donc nous avons besoin d'avoir une banque qui donne au peuple congolais la stabilité de la monnaie et la stabilité des prix. Quelle est la responsabilité du président de la République par rapport à ça et quelle est la responsabilité du Premier ministre par rapport à ça? La responsabilité du président de la République, c'est que c'est lui qui a le pouvoir de nomination et de revocation aussi. Donc si le président de la République fait le constat que le pays ne tourne pas, la Banque centrale ne donne pas au peuple congolais la stabilité du pouvoir d'achat, s'il ne prend pas de décision, c'est lui qui est responsable. Okay. Mais il doit assumer cette responsabilité en changeant le gouverneur, le vice-gouverneur, les membres du conseil d'administration le plus rapidement possible. Et le Premier ministre. Maintenant, le Premier ministre, il gère le quotidien, il conduit les actions du gouvernement. Et jusqu'à présent, notre Premier ministre, moi je ne sais pas à quoi il passe son temps franchement. Parce qu'il est là depuis un an et j'ai des difficultés à savoir exactement ce qu'il fait tous les jours parce qu'on s'en passe là dans le vécu quotidien donc de la population congolaise. Ils s'excusent en disant que la gestion passée était calamiteuse. Donc ils ont pris le temps d'abord de remettre les choses à leur place et puis ils vont voir le développement après. Ben, la gestion précédente était calamiteuse mais la sienne aussi est très plus calamiteuse que celle d'avant. D'avant. Pourquoi? Parce que si le Premier ministre est là depuis un an, dans un an, je voudrais noter une chose, qu'il a fait deux voyages. Un voyage au Katanga pendant cette période-là, on a eu toute une série de nominations ici dans l'armée, dans la magistrature. Et puis un voyage qu'il vient faire à Bukangalonzo. Je voudrais saluer son voyage à Bukangalonzo parce que ça nous a permis de nous rendre compte qu'il y a eu de gros investissements faits par l'État, environ 200 millions de dollars pour construire le parc agro-industriel de Bukangalonzo, mécaniser l'agriculture, produire localement notre nourriture. Mais ces investissements ont été abandonnés parce qu'on a vu des gros engins, des tracteurs, des grosses machines complètement cannibalisées. On a enlevé les moteurs pour aller faire autre chose, c'est pas avec. Et c'est quand même désolant qu'un pays puisse investir 200 millions de dollars dans un domaine aussi prioritaire que l'agriculture. Mais ça vous a quand même poussé. Pas le suivi. Ça vous a quand même poussé les universités ailleurs. Ça vous a quand même créé des. Oui, oui. Quelqu'un a dit la magie de Bukangalonzo. On plante les maïs et ça pousse les universités ailleurs. Oui, il y a eu effectivement universités, hôpitaux et routes et beaucoup de choses donc produites au niveau de Kindoumaniema par le Premier ministre Matata Ponyo pendant cette période. Mmh. Et moi, je voudrais que pour des raisons de transparence et de ce qu'on appelle en anglais « accountability », il faut tenir la personne responsable de ses actes. Il faut que la justice s'intéresse au dossier de Bukangalonzo, qu'on convoque Matata à la justice, qu'on puisse l'écouter, qu'il puisse justifier les investissements de 200-250 millions de dollars qui ont été faits dans ce projet ici. Et pourquoi nous avons le résultat catastrophique que nous avons et comment aussi justifier l'origine des fonds qui ont été utilisés pour construire toutes ces histoires-là dans son village, donc à Kindoumaniema. Je voudrais qu'on aille au-delà de ça parce que Bukangalonzo n'est pas le seul projet où on a dilapidé les fonds publics. Je voudrais attirer l'attention des gens sur le barrage de Katende. Le barrage de Katende dans le Grand Kassai était supposé produire l'électricité 64 mégawatts au total pour alimenter tout le Grand Kassai et faciliter le développement de ce pays, de ce centre du pays. J'ai vu aussi le même scénario où il y a des machines, des engins abandonnés. Qui était le Premier ministre? Toujours Matata.
Et ils peuvent dire qu'il y a eu le phénomène Kamuina-Nsapu. Mais c'est pour ça que nous avons la force de l'État. S'il y a des rebelles quelque part, ou des gens qui se tuent entre eux-mêmes, qu'est-ce que l'État devrait faire? Au moins, envoyer l'armée, la police, pour sécuriser les investissements publics, notamment donc ce projet de Katende ou bien Bukangalonzo. Donc, nous avons besoin d'avoir Matata. Le stade municipal, où il y a eu beaucoup d'argent, les chantiers sont aux arrêts, on ne sait toujours pas où est parti l'argent, mais finalement, on a beaucoup de choses. C'est pour ça que l'état de droit doit s'appliquer à tout le monde. Je voudrais, moi, qu'on dise que saluer ce qui a été fait et qui a amené à ce que le programme des 100 jours ait été présenté donc devant la justice. Nous avons entendu, suivi tout ça. Mais il ne faut pas que Vital Kamerhe soit le seul qui paye le prix du fait qu'il y a l'état de droit qui est arrivé. Il faut que d'autres gestionnaires de fonds publics qui ont abusé de leur pouvoir ou qui n'ont pas fait leur travail soient tenus aussi responsables de leurs actes. C'est pour ça que je demande qu'on appelle Matata, mais tant d'autres aussi pendant cette période-là. La question, la gestion du FPI et bien d'autres. Tout ce monde-là. Mais il y a quand même, dans le dossier de son jour, il y a quelqu'un qui vient de recouvrer sa liberté, monsieur, je crois, l'OVD, il vient d'être acquitté, ce qu'on a appris, alors que l'affaire est... On ne comprend plus rien dans cette histoire. Bon, moi, je ne connais pas les détails. C'est pour ça que je dis encore, en tant qu'individu, je ne suis ni pour ni contre un individu, un Congolais. Je veux que l'état des droits fonctionne. Donc, vous êtes d'accord avec... si on amène quelqu'un devant la barre, on lui pose des questions, il justifie. On ne doit pas le garder en prison simplement parce qu'on veut... Parce qu'on veut faire beau, en fait. Non, mais si quelqu'un justifie, tout le monde est présumé innocent. S'il prouve qu'il est innocent... en passant devant la barre, on doit le laisser partir. Ceux qui prouvent que et qui ne prouvent pas qu'ils sont innocents, ils doivent rester à Makala même quand ils sont malades. Je vois ce que vous voulez dire. Je reviens, mais il y a aussi Martin Fayoul qui estime qu'il n'y a pas eu que 66 millions de dollars. Martin Fayoul parlait de 200 millions de dollars et qu'il y a d'autres personnes qui devraient être arrêtées. Certaines personnes estiment qu'il parle du président de la République. Parce que juste après lui, c'est Mozito qui parle de tout le monde veut avoir sa propre cour constitutionnelle. On est finalement dans une sorte de dictature. Encore des invectives contre Fachi. Est-ce que vous pensez, vous êtes d'avis de cet avis-là? Je voudrais d'abord saluer mon ami Martin Fayoulou et lui souhaiter bon retour au pays. Il est au forum des élections. Après plusieurs mois donc à l'extérieur, donc c'est bien qu'il soit revenu au pays. Maintenant, est-ce qu'il a raison en disant qu'il y a plus que 66 millions de dollars qui ont été détournés? J'ai dit, je pense oui. Il y a plus de 66 millions dans l'opposé donc de le programme des 100 jours du chef de l'État. Nous avons besoin de connaître la vérité et tous ceux qui sont suspectés doivent pouvoir répondre donc devant la justice. Maintenant, lorsque le Premier ministre Mozito parle de cette façon, moi ça m'énerve. Comment ça, ça vous énerve? Ça m'énerve parce que le Premier ministre Mozito a été Premier ministre. Et il a été ministre pendant pratiquement 4 années, je crois. 4 années. Et il y a eu aussi des miracles sous son règne en tant que Premier ministre. Pourquoi? Parce que pendant qu'il gérait les fonds publics, nous avons lu dans la presse. C'est la justice qui doit pouvoir vérifier ça et nous confirmer si cela est possible. Il semble qu'il a acquis aussi un parc immobilier énorme dans la ville de Kinshasa. Mais Jekoko a montré avec les images. L'honorable avait montré avec des images. Quelqu'un de ce genre-là n'a pas droit de nous prêcher la bonne gouvernance. Parce que lui, il a brillé par la mauvaise gouvernance, par la corruption et les détournements des fonds publics. Rien n'est prouvé. Monsieur Mozito devrait se taire. Et pour qu'il puisse parler, il faut qu'il puisse passer devant la justice et prouver qu'il est innocent. Et en ce moment-là, s'il est innocent, je serai le premier à applaudir. Mais pour l'instant, là, il est présumé coupable parce qu'il y a eu tellement des images, des choses rocambolesques, non seulement au niveau du Congo. Vous vous rappelez ce bourgmestre-là en Belgique qui a dû mentionner certains cas de corruption impliquant sa femme, ainsi de suite. Oui, son enfant et tout. Quelqu'un de ce genre-là n'a pas de leçons à donner à qui que ce soit dans un état de droit. Et ce qu'on devait faire, c'est le mettre devant la barre, le juger, le condamner et l'envoyer aussi à Bakala. C'est pas possible, vous êtes trop dur avec lui. Vous allez l'envoyer en prison. Il faut l'envoyer en prison, il faut qu'il remplace, qu'il partage la cellule avec Vital Kamerhe. Non, j'ai pas dit qu'il doit partager la cellule. On doit pouvoir l'envoyer là-bas si on le trouve coupable. Toute personne qu'on trouve coupable de corruption, de mégestion des fonds publics doit pouvoir... Mais ça va créer une crise parce que lui, il est maintenant opposant. Il est dans l'opposition aujourd'hui. L'opposition n'est pas une blanchisserie. Hein. Donc, si quelqu'un a été au pouvoir et qu'il a géré les fonds publics et qu'il a des comptes à rendre au peuple congolais, il ne doit pas utiliser son
passage à l'opposition pour s'assurer une immunité contre la poursuite. Ce sera de l'acharnement, il vient de le dire. Non, ils s'acharnent. Il faut d'abord qu'il s'explique devant la barre. Et après, on va déterminer tout ça. Alors, le forum électoral, qu'est-ce qu'on vous en dit? Il y a un professeur belge qui estime qu'il faut renforcer les capacités des Congolais en matière électorale. Il faut trouver un consensus. Bon, parce que, bon, les élections ne se sont pas bien déroulées. Et lui, c'est l'université de Liège, finalement, en Belgique. Je dois, pour des raisons de transparence, dire devant l'auditeur que j'ai quelques acquaintances avec le professeur Bob Kabamba, mais également avec l'université de Liège. Comme vous le savez, j'avais étudié à l'université de Liège. Donc, quand je m'en vais à Liège, j'ai des relations avec Bob Kabamba. Il m'invite parfois à manger, parler comme un compatriote, parce que même s'il est belge, il est d'origine congolaise, donc on a cette affinité-là. Et je voudrais juste dire que le processus électoral de la RDC mérite d'être peaufiné et amélioré. Tout le monde est d'accord que les élections de décembre 2018 n'ont pas donné des résultats qui n'étaient pas critiquables. Et la preuve, c'est que jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui réclament toujours qu'ils ont été élus, mais qui n'ont pas assuré donc l'effectivité du pouvoir. Mais au-delà de cela aussi, nous avons des sénateurs, nous avons des gouverneurs des provinces. Et nous savons que ces gens n'ont pas été élus, ils ont acheté en quelque sorte leur arrivée dans leur poste actuel. Nous voulons améliorer ce système-là. Pour améliorer le système, il y a des réformes structurelles et institutionnelles donc à faire pour qu'on nous garantisse que l'avenir va être meilleur que ce que nous avons connu en 2018. Pour cela, toute initiative donc est bonne. Mais simplement, nous devons être prudents en tant que pays souverain. Parce que si nous avons amorcé un processus de réforme à l'interne, par exemple, le processus qui est conduit par les 13 parlementaires, les 13 personnalités. Je souhaiterais que nous puissions un peu plus écouter aussi ces gens-là. Ce sont des Congolais à part entière et ce sont des parlementaires qui ont pris cette initiative. Il faut saluer ce qu'ils font. Maintenant, quand ils vont sortir donc leurs conclusions, nous allons examiner tous pour déterminer qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui n'est pas acceptable dans le rapport qu'ils vont présenter. Pendant cette période-là, je trouve que c'est malsain qu'on ait des étrangers ou des universités étrangères et qui viennent s'immiscer si ouvertement dans les affaires de souveraineté donc d'un pays comme l'UNILU ne peut pas le faire en Belgique. L'UNIKIN ne peut pas le faire. Imaginez par exemple, je voudrais vous donner un exemple. Ça fait littéralement plus d'un an qu'il n'y a pas de gouvernement permanent en Belgique. Je pense que la dame qui l'a comme premier ministre, elle est temporaire, donc si j'ai compris très bien. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas envoyer Lambert Mende au Malanga pour aller aider les Belges à former le gouvernement? Bah, mais ça sera un sacrilège. C'est un sacrilège. Ouais. Alors, vous trouvez que c'est normal que les Belges viennent nous dire encore ce que nous devons faire? C'est la question qu'on se pose. Donc, on voit aujourd'hui Noël Tiani arriver en Belgique, réunir les parlementaires, bon, trouver un consensus, dégager un gouvernement. Mais c'est pratiquement un scandale, alors, à la fin. En tant que pays, ayant cette fierté-là, on ne doit pas accepter du n'importe quoi. Pour l'instant, j'ai beaucoup de respect pour l'initiative des 13 parlementaires, des 13 personnalités-là. Je voudrais leur souhaiter bonne chance, qu'ils nous amènent sur la table des propositions concrètes et on va examiner celles qui sont faisables, celles qui ne sont pas faisables. Mais nous allons lire aussi les recommandations qui vont sortir du côté de Bob Kabamba, mais j'aurais souhaité que ce soit beaucoup plus de Congolais qui sont dans le siège du conducteur, pas un groupe d'opposants. Parce que ce groupe-là, j'ai l'impression que c'est un groupe bien spécifique d'opposants qui veulent faire passer leur agenda. Et ils ont donc des tentacules partout, dans les confessions religieuses, dans la politique, ainsi de suite. Je souhaiterais que nous soyons un peu plus regardants que ça. Alors, on va terminer ces débats, cet échange, à tourner beaucoup plus sur les banques. Je sais qu'on a beaucoup plus parlé de ça. Mais quelle est la cote que vous réservez au gouvernement qui va faire un an aujourd'hui? Ah, le gouvernement Ilunga Ilunkamba, aujourd'hui, fait un an et je ne vois pas beaucoup d'initiatives qu'il a prises. Je vais lui donner une note très sévère parce que je voudrais... Un étudiant, quand vous lui donnez donc une bonne note alors qu'il n'a pas fait un travail, vous l'encouragez à ne pas étudier. Je voudrais l'encourager peut-être à faire plus d'efforts s'il reste encore pendant longtemps. À ce gouvernement, je donnerai sur 10, 2. 2 sur 10. Et pourquoi? D'abord, le point de départ, c'était la formation du gouvernement. Ils n'ont pas réussi à former un gouvernement tenant compte de la situation financière du pays. 67 ministres dans un gouvernement, dans un pays qui n'a pas de ressources, je pense que c'est budgétivore et ça a éparpillé les efforts du gouvernement. Donc on ne s'est pas focalisé sur les questions essentielles. Deux, c'est un gouvernement qui n'a pas su gérer les ressources publiques comme il le faut.
Vous avez entendu de la dépréciation monétaire. Et l'explication qu'on nous donne, c'est qu'il y a des déficits publics énormes causés par le gouvernement, que la Banque centrale est forcée de monétiser, c'est-à-dire de tourner la planche à billets, ce qui entraîne la dépréciation monétaire et la perte de pouvoir d'achat de la population. Trois, il y a quelques travaux d'infrastructures qui ont été lancés, mais qui n'ont pas encore donc donné des résultats. Je donne l'exemple. C'est la responsabilité du gouvernement de finaliser les chantiers du chef de l'État, comme ils appellent ça, le programme des 100 jours. Mais sur les 15 sauts de moutons qui ont été lancés, combien ont été finalisés? Il y a à peine, je pense, le saut de moutons qui se trouve sur le boulevard Mandela. Mais et celui du Tax Africa, rien n'a été fait. Rien n'a été fait, consort. Le pompage, donc, si nous sommes incapables, je dis bien incapables, de construire un petit saut de moutons de 50 mètres, serons-nous à mesure de construire les autoroutes qui prennent le plan Marshall, qui vont aller de Banana à Mahagi, dans la province orientale, ou bien des autoroutes qui aillent de Sakania au bas du Katanga à Zongo, à la frontière avec la République Ça, c'est ce que le plan Marshall prévoit. C'est ça que le plan Marshall propose. Mais eux, ils sont incapables de construire un petit saut de mouton de 50 mètres. Donc, je dirais que ce gouvernement-là, je ne vois pas clairement ce qu'il a réalisé pour mériter une note supérieure donc à 2 sur 10. Alors, je demanderais même qu'il est temps que le Premier ministre Ilunga Ilunkamba, qui a fait son temps, qu'on puisse envisager le réaménagement du gouvernement 1 dans le sens d'avoir un nouveau Premier ministre un peu plus jeune, plus dynamique, avec un peu plus de vision et plus de force pour travailler. Et 2, un nouveau Premier ministre qui pourrait réduire la taille du gouvernement et remettre le peuple congolais au travail. On termine avec la cote du président. Lui aussi a fait 20 mois, déjà, pratiquement, depuis le mois de janvier 2019, je crois, jusqu'aujourd'hui, août 2020, on va dire c'est pratiquement plus de, en tout cas plus de 15 mois, non plus de 20 mois. Dites-moi, c'est quelle cote vous lui donnez, président? Bon, c'est difficile de donner une cote spécifique comme celle que je viens de donner donc au Premier ministre. Mais tout ce que je peux dire, c'est que le président semble avoir des mains liées pour prendre des actions qu'il faut en tant que chef d'État qui assume pleinement ses responsabilités. Et de son point de vue-là, sa cote est très affectée par sa coalition avec le FCC. Les deux ensemble, FCC-CACH, je pense qu'ils n'ont pas bien géré le pays jusqu'à présent. Ils ont besoin de faire beaucoup plus d'efforts. Pour des raisons de diplomatie, je ne souhaiterais pas assigner donc une cote spécifique au chef de l'État. Mais je le dirais, monsieur le chef de l'État, faites beaucoup plus d'efforts parce que votre cote n'est pas très très élevée. Alors Kabila? Non, lui n'est pas au pouvoir. Je voudrais simplement qu'il reste dans sa ferme et qu'il laisse le président de la République tranquille. Pourquoi dans sa ferme? Dans sa ferme, parce qu'il doit se retirer en tant que chef de l'État, ancien chef de l'État. Il devrait rester en dehors de la politique et pas mener la politique active et donner l'impression de paralyser le fonctionnement normal du pays. Et donc, ses membres, la majorité parlementaire, comment vous le voyez? Bon, ceux qui sont au Parlement doivent faire le travail. Jusqu'à ce qu'on ait un nouveau Parlement, ils sont encore des parlementaires pour l'instant. Mais il faut qu'ils travaillent. Mais pour l'instant, je ne connais pas de grandes initiatives. Des projets de loi initiés par cette fameuse majorité parlementaire. La seule initiative que j'ai comprise venait donc, de leur part, c'est cette initiative Minako Sakata qui tendait à réduire l'indépendance de la justice, à mettre la justice sous la coupole du ministre de la justice qui est du FCC, et nous avons refusé ça collectivement. Donc j'ai l'impression qu'ils mettent en avant les intérêts privés ou les intérêts de leur famille politique à la place des intérêts du peuple congolais. Donc je leur donne une note très sévère, et surtout que nos parlementaires là, la deuxième action qu'ils ont menée, c'est de réclamer une augmentation des salaires donc de 2 000 $ par mois pendant que le peuple congolais est en train de mourir de faim. Voulez-vous contrer avant une nouvelle question? En tout cas, cheers. D'accord. Alors, pour finir la question de la sécurité à l'est du pays, que prévoit le plan Marshall? Le plan Marshall prévoyait de pouvoir mettre de l'ordre dans la sécurité du pays, d'abord en faisant l'inventaire de l'armée, la police, les services de sécurité, pour qu'on sache qui est qui dans notre armée, dans notre police, service de sécurité et qui vient d'où. Tous les éléments qui sont congolais vont être gardés. Tous les éléments qui n'ont pas de formation vont être renvoyés à l'école pour apprendre, pour être formés. Et nous allons déterminer, on a besoin de combien de gens pour maintenir la paix, la sécurité sur l'ensemble du territoire. Si par exemple dans la police, nous avons 150 000 personnes,
Et on estime que nous avons besoin de 500 000 personnes pour maintenir la paix et la sécurité. Il faut recruter des nouveaux éléments, les envoyer dans les centres de formation, les former, les équiper comme il faut et les déployer sur l'ensemble du territoire national, mais surtout améliorer le système de rémunération pour que celui qui va dans l'armée, la police, les services de sécurité, il fasse carrière et vive correctement en supportant sa famille. Il va se dévouer totalement aux efforts de maintien de la paix et de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Maintenant, une fois qu'on a fait cet exercice-là, nous devons être fermes avec les pays voisins. Si un pays voisin entre sur le territoire congolais avec son armée, comme s'il entrait dans son jardin, nous allons donner l'ultimatum. Utiliser les moyens diplomatiques pour qu'il sorte convenablement. S'il ne sort pas dans les délais, il faut chasser l'armée de force. Mais une fois qu'on chasse cette armée de force, quand on arrive aux frontières et l'armée est rentrée dans son pays, on ne doit pas s'arrêter là-bas. On doit entrer dans ce pays-là, détruire la capacité militaire de ce pays. Pourquoi est-ce que je parle de détruire? Parce que j'ai vu le classement, si les classements sont corrects. On dit que la RDC est la 8e grande puissance militaire en Afrique. C'est-à-dire la première grande puissance militaire en Afrique centrale. Donc aucun pays voisin ne peut nous faire face si, nous avons, si ces chiffres-là sont corrects. Donc en chassant une armée étrangère, on ne doit pas s'arrêter aux frontières. On doit utiliser cette puissance militaire que nous sommes devenus pour frapper sérieusement ce pays-là, détruire sa capacité militaire. Quand on va le faire avec un pays voisin, je pense que tous les autres pays voisins vont être mis en alerte pour que plus jamais ils ne puissent le faire. Parce que nous devrons retarder le développement de ce pays voisin qu'on aura frappé de 50 ans pour qu'il ne puisse plus jamais se moquer de nous. Mais là, là, ça, là, vous avez détruit toute la politique de voisinage alors dans ce cas. Non, 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 non. La politique de voisinage implique le respect des frontières. Mais il me semble que la RDC n'a jamais franchi des frontières. Ouais, pour aller depuis, chez voisins. Depuis très longtemps. Il n'y a que les voisins qui viennent chez nous. Alors, donc, politique de voisinage implique respect mutuel. Mm. Vous ne respectez pas mutuellement, on vous frappe. Je voudrais vous donner un exemple. Allez-y. Quand j'étais à l'école secondaire, on était 35 dans la classe. Je crois que c'était au niveau de la 5e année. Il y avait un collègue de classe qui emmerdait tout le monde. Et il me menaçait tout le temps de me frapper. Je paraissais trop gentil, ceci, cela. Un jour, ça bardait. Je ne sais pas, miraculeusement, Dieu a aidé. Je lui ai donné un coup ici et il était gonflé comme ça. Et vous savez quoi? Depuis ce temps-là, il a cessé de déranger tous les collègues de classe et nous sommes amis jusqu'aujourd'hui. Il vient me rendre visite régulièrement et il sait très bien qu'il ne peut plus jamais oser. Parce que s'il ose, avec les pays voisins, je voudrais qu'on puisse utiliser le même, peut-être la même expérimentation. Oui. Au cas où la diplomatie ne marche pas, utilisons la force parce que nous disons que nous sommes la 8e grande puissance africaine. Si les chiffres sont pas si les chiffres sont corrects. Donc, moi, je voudrais, si je suis président de la République, vous allez assister à ça un jour. Et quand on va le faire, vous allez voir qu'on aura 50 ans ou 100 ans de paix, personne ne pourra encore oser se moquer de la République démocratique du Congo. Alors, en termes de la santé, est-ce que nous avons gagné le coronavirus? Cette histoire semble être une nébuleuse on a encore besoin de connaître davantage. Je ne voudrais pas décourager donc nos compatriotes. Je veux que nous continuions à être alertes, à prendre toutes les mesures barrières, à les mettre en œuvre pour qu'on ne puisse pas faciliter la propagation de la maladie. Mais la gestion des fonds qui étaient alloués à la lutte contre la COVID-19, cette gestion n'a pas été très bonne. Parce que j'ai entendu des chiffres qui sont parfois contradictoires. Tantôt, le Premier ministre dit qu'il a déboursé 10 millions de dollars. Tantôt, les gens qui sont supposés être les récipiendaires pour avoir utilisé ces fonds-là, l'équipe de la Riposte semble pouvoir mentionner 1 million de dollars à peine. Et j'entends aujourd'hui au même en cause le ministère donc, de la Santé et consorts. Je crois que nous avons une nébuleuse là et je souhaiterais que l'inspection générale des finances nous fasse la clarté sur ces choses pour qu'on ait la transparence dans la gestion des fonds publics. Nous sommes un pays qui n'a pas beaucoup de moyens. Donc, nous devons être très regardants quand il s'agit de l'utilisation de fonds publics. Et tous ceux qui mettent les mains dans les caisses de l'État, leur place doit être devant la barre. Et quand on les trouve coupables, ils doivent aller en prison. Merci beaucoup, Noël Tiani. Je rappelle que vous êtes l'auteur du plan Marshall, ancien candidat, disons candidat à l'élection présidentielle de 2018. Aujourd'hui, vous trônez dans le sondage, il faut le dire. Vous êtes parmi ceux qui sont restés présents
dans la scène, en proposant, mais aussi en critiquant, objectivement. Et c'est ce qui est très bien. Et je crois que vous devez avoir beaucoup d'énergie et vous ne devez pas beaucoup avoir des amis parce que les gens ne supportent pas certaines fois, disons, la vérité que vous portez. Donc, je vous dis merci beaucoup. Et donc, à moins que vous ayez un mot à dire pour terminer cette émission, c'est d'ailleurs la première fois hein, pour revenir ici dans nos nouveaux locaux. D'abord, je voudrais vous féliciter pour ces nouveaux locaux. Wow, on voit bien la prospérité retrouvée ici. Merci. Donc, c'est un très beau studio et je voudrais inviter tous les acteurs politiques, les acteurs économiques, tout le monde qui veut faire passer des messages à venir visiter Congo Buzz. Ce n'est plus n'importe quel média, c'est devenu un média aujourd'hui imposant que tout le monde donc suit. Je vous félicite pour ce progrès réalisé. Merci. Maintenant, parce que vous avez parlé de sondage, oui. J'étais surpris au courant de cette semaine par un sondage. Je ne connais pas exactement l'organisateur ou cette institution qui a organisé les sondages, mais j'ai vu que la question était pour les élections de décembre, pour les élections de 2023, quelle est la nouvelle figure que vous voudriez voir arriver à la présidence de la République? Ils ont mis un certain nombre de personnes et à la fin du sondage, c'est Noël Tchiani qui était 33%. 33%. Et la deuxième personne qui venait après moi avait 32%. J'ai trouvé ça intéressant et je pense que le travail que nous faisons en passant régulièrement devant les médias est apprécié par la population. Et je voudrais aussi apprécier le peuple congolais parce qu'aujourd'hui, avant que j'entre ici, aussitôt que je suis sorti de la voiture, il y a des mamans qui vendent des histoires dans la rue. Ils m'ont vu et ils ont dit « Ah !» C'est M. Tchiani. Et ils étaient très contents. Donc, partout où je passe maintenant dans la ville de Kinshasa, j'ai l'impression qu'on est connu et qu'on est apprécié par les gens. Je voudrais dire merci à vous, les médias, non seulement Congo Buzz, mais également les autres médias qui m'ont permis de pouvoir être en contact avec la population. Je voudrais remercier la base de l'UDPS. Je suis passé, c'était avant-hier, à l'IMETE et je suis passé, j'ai trouvé donc le grand groupe de l'IDPS en train de tenir les meetings des parlementaires debout qui m'ont invité à prendre la parole. J'ai parlé pendant 2-3 minutes et j'ai trouvé qu'il y avait une connexion très forte entre la force de changement que je préside et la base de l'IDPS et je voudrais vous souhaiter longue vie à l'IDPS. Mais surtout, travaillons ensemble avec la force du changement, nous pouvons apporter beaucoup de changements dans le cadre de notre pays. Il faut faire un tour aussi au PPRD. Hein. Je vais faire le tour de tous les Congolais. Oui. Je compte visiter le camp Luka. Et je ne connais pas où se trouve le PPRD, s'ils ont des gens à trouper quelque part. Mais je vais faire le tour de tous les Congolais. Les sympathisants du PPRD, les sympathisants des autres partis politiques, si vous m'invitez, je viendrai. Parce que nous sommes au centre, nous sommes la force du changement, nous parlons avec tout le monde, nous voulons rassembler tous les Congolais. Si vous avez besoin de nous, vous nous invitez, on viendra passer du temps avec vous. Vous connaissez sorti de la prison, on va peut-être faire un tour, vous le voir aussi. Bon, je ne sais pas si je devrais faire le tour pour le voir, mais je voudrais saluer donc sa liberté. Étant donné que c'est ça l'état du droit. Donc vous pouvez ne pas aimer quelqu'un, mais quand il est accusé de quelque chose, il passe devant les juges, il se justifie, on le libère, on doit applaudir. C'est comme ça que l'état de droit donc, doit fonctionner. Et puis Tata Béré qui est en prison, aujourd'hui il est à l'hôpital, hein. Il ne se sent pas bien. Je voudrais lui souhaiter... Je voudrais lui souhaiter rapide rétablissement. J'ai vu ces informations sur le net qui indiquent qu'il serait atteint donc de coronavirus. Si cela est le cas, je demande vraiment qu'on puisse lui donner tous les soins appropriés pour pouvoir sauver la vie. Parce qu'il a de la famille, c'est encore quelqu'un qui peut, même en étant en prison, être utile donc au pays d'une façon ou d'une autre. Donc, rapide rétablissement vital. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. C'était un grand plaisir de recevoir cet homme brillant. On se retrouve très prochainement. Portez-vous bien, que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. Salut tout le monde. Moi, c'est Achille Boutungu. I do work for Unisho by AFH. And that Cedric aussi. Tout ça qu'on fait appel na Bino, nous sommes tous les gens qui ont vivé dans la carte UK, le Royaume-Uni seulement, que tout ça qu'on paye ça, le service protection et assurance. Tout ça qu'on paye assurance vie, life insurance, et ça que ce qui nous a dit, c'est que nous avons fait un bon. Un bon, c'est que nous avons fait un bon pour couvrir l'enterrement, puis dans ce côté-là, héritage na bana yo et en même temps soza ki na ndako ozwa kana crédit et que peut ko futa ndako na yo toza so suna auto bengi living cost. Living cost ezali produit oyo so ki muto abeli azana ndako o sala ka plus de 20 heures yaka soko beli assurance ko futa yo mbongo pendant ko za na ndako zo sala te
Et nous avons aussi building and content. Ce que nous avons fait bien au foot, c'est que nous protégeons le foot. Nous avons aussi une autre critical illness, assurance maladie. Tant que nous avons aussi un problème de santé, au belly sérieusement, l'assurance te paye. Nous avons un témoignage de la santé, à foot, parce que la maladie critique. Nous avons juste besoin de témoigner par rapport à ma campagne d'assurance, où nous avons un assurance. Tant que nous et que maman santé dérangée, maman a un droit de foot autant. La réalité est que nous avons une parole na bango, pe ba pesa misolo et nous avons un par rapport à ce que nous avons. Les aventures sont vraiment sérieuses. Nous sommes là pour vous. Why wait? Pourquoi attendre? Mieux vaut prévenir que guérir. Donc, causez la tête na souka. Naza a pour na koede yom tozo landanga, oza na kati Angleterre, na Royaume-Uni. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour la. Oh,